On y va. J'aimerais bien avoir des explications et je vais les avoir. J'ai le droit de demander des explications parce que je t'en ai parlé, mon rabbi, sous un écrit. Hein, je t'ai parlé que j'avais trouvé une Sylvie M qui avait la tête de Ruth Lorraine. Tu m'as pas donné d'explication. Là, je l'ai retrouvée dans le fin fond, là. Ouais, dans le fin fond du truc de Twitter. Donc j'ai le droit d'avoir des explications. Je crois que je suis en droit, ouais. Parce qu'entre ces deux machins-là, qui ne font qu'un, probablement. Hein? Voilà. Puis il faut voir comment quatre parlent, hein. Eh, bah dis donc. Bon. Voir vidéo. J'ai fait vidéo. On va voir. Oui. Une vidéo normalement, putain de merde. Ah oui, elle est là. C'est pas ça. Ça, c'est la photo, ça. Voudrais m'expliquer, mon rabbi, hein? Sylvie M, je l'ai retrouvée dans tout le fond. Hein? T'es abonné ou elle est abonnée à toi, rabbi? Hein? Elle a la tête de la Lorraine. De Ruth Lorraine, elle a exactement la même tête. C'est marrant, ça, hein? Et j'ai la preuve, là, hein? Sous les yeux, hein? J'ai la preuve. Faudrait m'expliquer, mon rabbi, hein? Il va falloir que tu m'expliques, hein? D'accord? Soit que c'est elle qui est abonnée à toi, ou soit que c'est toi qui es abonné à elle, hein? Hein? Donc j'avais raison en disant que Sylvie Muro, c'est la Lorraine. C'est Ruth Lorraine, hein? Il va falloir que tu m'explications, hein? Excuse-moi, j'ai le droit d'avoir des explications sur ce truc-là. Eh? Ah oui, elle s'est mise dans tout le fond, comme ça je ne l'ai pas retrouvée. Hein? Ah oui, mais là je l'ai, hein? Je suis retombé dessus, ouais. Il va falloir que tu m'expliques. Ça, oui. Je le demande et j'en ai le droit. J'ai le droit d'avoir des explications là-dessus. Ouais. Ah bah oui. Franchement, oui. Hein? Hein, il faut voir comment qu'elle te parle, hein, dis donc. Hein? Ouais, c'est bien la même tête que la Ruth Lorraine, exactement. Je vais me gêner. Non, c'est toi qui es abonné à elle. C'est pas elle qui est abonnée à toi. Quoique, j'en sais rien, mais tu la suis, quoi. Ouais. Ben, j'ai le droit d'avoir des explications, mon rabbi, c'est normal, parce que ce sont... hein, ils m'ont bien fait chier, donc j'ai le droit d'avoir des explications là-dessus. C'est sûr que tu fais ce que tu veux, mon rabbi, hein. Je remets pas en cause ce que tu fais, hein. Mais j'ai le droit d'avoir des explications sur cette foutue histoire. De toute façon, tu m'avais dit, je te le dirai, qui c'est, Ruth Lorraine, et tu le fais pas, t'occupes pas que tu m'as dit. Ah oui, mais le hasard, enfin, Dieu veut que, le Père veut que je voie, il me fait tomber sur des trucs, hein, j'y peux rien. Et puis, il faut voir comment on t'a causé, comme tu m'avais écrit ça, hein, elle te faisait des menaces. Tu peux rien dire parce que je suis rien, qu'elle a dit. Ah, je me souviens de tout, hein, j'ai une mémoire, ça dépend pourquoi, hein, j'ai une sacrée mémoire, hein. J'ai une mémoire photographique de la pupille, ouh la vache. Ouais. Le seul œil que j'ai, c'est comme un objectif d'appareil photo, hein. Ouais. Voilà. Je demande d'avoir des explications, c'est normal. Après tout, hein, ils m'ont persécuté, ils m'ont fait chier, j'ai le droit de savoir toute la vérité. Et je le demande. Et j'en ai le droit. Et ça, tu peux pas me dire le contraire, Rabbi. Tu peux pas me dire le contraire. Parce que de toute façon, ils continueront tout le temps à venir me faire chier. Sous une enveloppe ou l'autre. Enfin, sous une autre photo, un autre nom. Hein?
Moi, si je veux me défendre, il faut que je sache à qui j'ai affaire. Remarque, quoi que je le sais, parce que l'esprit me le dit, hein. On me le dit, on m'avertit. Hein. Avec mon empathie puis tout ça, vas-y, hein. Mais voilà, j'ai le droit d'avoir des explications du maître. Bah oui, c'est toi le maître, hein. C'est toi le maître, le seigneur des seigneurs, le roi des rois. Donc j'ai le droit de te demander des explications. J'ai le droit. Puisque je travaille pour toi, Enfin, tu m'as compris, quoi, hein. Oui, enfin, c'est pas du travail pour moi, je prêche la vérité, je dis la vérité et tout ça. Donc j'exige toute la vérité, Rabbi. Et tu peux pas me la refuser. Et comme je dis tout, c'est tout. Tu m'avais promis de me dire tout, et ben tu me diras tout. Voilà, qu'il en soit fait ainsi, amen, au nom du Père Céleste qui est là-haut, là. Notre Père Céleste, qui est aussi toi, parce que tu ne fais qu'un avec le Père. Voilà. Je vais m'arrêter là, hein. J'en ai le droit sur la loi divine, j'en ai le droit. Je connais mes droits sur le divin, et puis voilà, hein. Voilà. Donc, c'est comme ça, c'est pas autrement. Voilà. Excuse-moi, Rabbi, mais voilà, je suis obligé. Ben oui, parce qu'on me dit pas, je vais te dire ceci, je vais te dire cela, puis après on se dédie, puis après t'occupes pas des deux autres. Ben excuse-moi, mais j'en ai le droit. C'est moi qui ai été la victime dans cette foutue histoire depuis 4-5 ans. Ouais, bientôt 5 ans, ouais. J'ai failli crever deux fois. Faut pas oublier, j'ai failli crever et puis laisser mes dons parce qu'ils ont failli me bousiller ma glande pinéale. Hein? Bon, alors maintenant, ça suffit maintenant. Il faut que tout tombe, toute la vérité. Et ça, tu l'as promis, que tu me dirais tout, eh ben tu dois le faire, tu dois tenir parole. Parce que là, ça commence à m'énerver de retomber, là. Hein? Voilà. Puis en plus que je vois ton nom en dessous, alors là, je me dis, bon, il a le droit de la suivre, c'est sûr. Voilà, une parole est une parole, mon rabbi. On doit se la tenir. Et pas tourner autour du pot. Excuse-moi.